Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2022. Je vous adresse bien sûr mes meilleurs vœux. On est encore en janvier, je crois. Oui, c'est bon, je peux le faire. Cool. Désolé pour ceux qui attendent le Back to Basic numéro 3, épisode 6 sur les triades. C'est un épisode qui me demande un petit peu plus de boulot que prévu, donc soyez patients. Aujourd'hui, on va apprendre à apprendre, c'est-à-dire qu'on va décortiquer un leak d'un guitariste thaïlandais qui s'appelle Jack Tamarat et on va en profiter pour se poser la question. Comment je fais pour intégrer ce leak dans mon vocabulaire et éventuellement le ressortir dans un autre contexte. Ça se passe en 5 phases. Première phase, on écoute le maître. Deuxième phase, on analyse. Troisième phase, on pratique avec une batterie. Quatrième phase, un backing track et un contexte harmonique. Cinquième phase, on transpose le leak et on s'assure qu'on a bien compris et qu'on peut le réutiliser dans un autre contexte. A tout de suite. Première étape, on analyse le maître à l'œuvre. C'est parti. Incroyable, ce leak est vraiment génial. On passe à la deuxième étape tout de suite. Pour faciliter l'analyse, je vous affiche bien sûr la tablature à l'écran. Le plan qui nous intéresse commence à la mesure 51 sur le E du 2 et on est sur un débit de double croche, arrivé sur la mesure 52, croche pointée double, double croche jusqu'au quatrième temps, ensuite ça part en sextolé et on arrive sur une noire pointée avec un joli bend et ensuite c'est un débit de croche. Ok, on voit ça à la guitare,